la dernière possession de cette première mi-temps. Impératif pour Villeurbanne de revenir sous la barre des 10 avant la mi-temps. Kahudi, le 1 contre 1 face à Nobel et ça rentre. Il restera un peu plus de 2 secondes au CSP Limoges pour poser un système court. Et Kahudi a littéralement porté l'ASVEL, hein, Jean-Marc, dans ce deuxième quart-temps. Oui, il a apporté son impact physique, il a pris quelques rebonds offensifs. Là, on voit sur la dernière possession, il se rapproche du panier puisque Villeurbanne a un peu de mal avec ça. On va l'écouter. Vujosevic. Et on a vu Jim Bilba essayer de poser un écran à notre cadre. Ah ben, Jim, il pose bien les écrans en plus. Hein. Magnifique. Allez, 2 secondes avant la mi-temps. Est-ce que Limoges va réussir à trouver l'ouverture en 2 secondes? Ah oui, intéressant. Ils ont le droit. C'était bien joué cette passe. Oui, oui, c'est ce leurre, une espèce de leurre en ligne de fond qui est tout à fait légal. Bon, après 2 secondes, c'est peu et Daniel aurait dû shooter. 8 points d'avance à la mi-temps pour le CSP Limoges. Alex, aux côtés d'Ali Traoré qui a été très bon.